Bienvenue en direct. Comme chaque semaine, on vous emmène là où il se passe quelque chose. On est en plein cœur des quinconces ici à Bordeaux. Et il s'en passe, comme d'habitude, des choses, parce que ça y est, la foire au plaisir a démarré. C'est jusqu'au 24 mars, en plein cœur de Bordeaux. C'est l'une des plus grosses foires avec ses barbes à papa, ses chourros, ses attractions, ses trains fantômes. Et on vous y emmène en ces vacances de février. On va démarrer la foire. Et si c'est vous dire qu'on est vraiment en direct et on est vraiment dans le début de cette foire, puisque on va aller à la rencontre du président de l'association de la foire au plaisir, Norman Bruch. Norman, qui est arrivé à Bordeaux il y a quelques jours et qui est en train de finir d'installer son attraction, le No Limit. Eh bien, regardez, c'est tellement frais, ça vient tellement de commencer cette foire que tous les forains ne sont pas encore prêts. Bonjour. Et c'est votre cas, Norman. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais on finit le montage des manèges et on est en train de vérifier les sécurités des harnais. Alors parlez-moi de ce No Limit là, c'est cet engin de la mort. Eh bien c'est un manège, c'est sur une structure pyramide avec une pendulaire qui fait 360, 5G en puissance, 25 mètres de haut et 3 rotations. Voilà, donc un truc bien impressionnant. C'est intéressant de vous voir préparer cette foire. À chaque fois, une nouvelle ville, il faut s'installer, donc il faut prendre la route, il faut démonter tout le matériel. Avoir quand même une connaissance technique, mais aussi ensuite savoir accueillir le public. Donc il faut être hyper polyvalent quand on est forain. Mais quand on est forain, on a plusieurs métiers, électricien, mécano, hydraulicien, monteur, démonteur. Donc voilà, on fait ça depuis tout petit. Et en plus maintenant, quand on achète un manège comme le mien, on a une formation par le constructeur. Donc derrière, on a un catalogue, on a un suivi en permanence d'un technicien qui parle français. On le fait vérifier chaque année par le vérificateur, par l'usine, et en plus des vérifications obligées par le ministère de l'Intérieur. Donc voilà, et nous, voyez, avant de démarrer, je préfère perdre 2 heures de travail ou 3 heures que mettre des clients dans mon manège et à prendre des risques. Quoi. Ça, c'est bien. La sécurité, évidemment, ça rigole pas. Exactement, avant tout. Quoi. Alors, on préfère perdre un peu d'argent parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de monde, mais comme je ne suis pas prêt, je préfère, ça ne fait rien. On ne va pas prendre le risque d'ouvrir sans faire toutes les vérifications. Et c'est le président de l'association de la foire qui le dit. Ça consiste en quoi d'être président? Vous devez un peu rassembler tout le monde, coordonner les 150 attractions? 163. 163, bah oui, moi j'en avais moins. Et oui, être président, c'est être un peu fou comme moi, parce qu'il y en a très peu. Et donc, on a tellement un métier en or dans les mains que j'essaye de réunir tout le monde parce qu'on est tous des indépendants. C'est pas comme un cirque où il n'y a qu'un patron. Quoi. Donc nous, il y a 163 patrons. Et moi, j'essaye avec une équipe de choc que j'ai de réunir tout le monde pour qu'on s'entende et qu'on avance dans le même but et que ça se passe super bien avec la mairie de toutes les mairies. Mais bon, surtout à Bordeaux, ça se passe super bien. C'est un métier en or, vous dites. C'est intéressant. Pourquoi vous dites ça? Mais c'est un métier en or, je ne parle pas de l'argent, c'est un métier en or parce qu'on est libre, on est polyvalent, on donne du plaisir, on peut donner du plaisir au public sans qu'ils consomment. On peut venir à la fête foraine gratuitement, même que des fois financièrement on sait qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est du spectacle. C'est du spectacle, rien que visuellement déjà on donne du plaisir. Quoi. Après évidemment il faut bosser parce que des manèges comme ça coûte un bras et c'est notre entreprise. Quoi. Mais quand même on est polyvalent, vous voyez, aujourd'hui on est là, demain on est ailleurs. Et on est né comme ça et c'est notre vie, quoi, notre mode de vie. Quoi. C'est intéressant. Et ben en tout cas, bienvenue à Bordeaux jusqu'au 24 mars, monsieur le président. Ce sera prêt cette semaine. Là. Ce soir, si tout va bien. Oui, parce que ça, c'est du matos. Parce que la majorité des attractions, les gros fabricants très connus dans le monde, c'est l'Italie, c'est la Hollande. C'est l'Italie, la Hollande, les Allemands. En gros, c'est eux. Quoi. Genre, moi, c'est un manège hollandais de marque AMG. Et après, il y a une autre marque mondiale, c'est la marque mondiale à Paris en Hollande. Après, il y a la famille Mac qui est en Allemagne. Et après, les Italiens, quoi, voilà. Et ben voilà, et ben merci à vous et bienvenue à Bordeaux. Venez, on va continuer notre promenade. Merci Norman et bonne foire au plaisir ici à Bordeaux. Alors la foire au plaisir, vous l'avez compris, ce sont des attractions. C'est aussi évidemment de la barbe à papa, de la pomme d'amour et toutes les sucreries que l'on adore. Mais c'est aussi de la solidarité. Et je vais aller à la rencontre de Xavier Krabos. Bonjour Xavier, merci de nous accueillir. Xavier est en charge de la communication ici à la foire au plaisir. C'est toujours un énorme événement. Plus de 160 attractions, me disait Norman. Ouais, c'est ça, 160 attractions. C'est une des plus grosses fêtes de France. C'est la troisième fête de France. C'est la plus grosse fête du Sud. Et écoute, ça commence en 1854, donc c'est pas d'hier, hein, c'est en octobre, en mars, depuis 1854.
Oui, exactement. Et alors d'ailleurs, je vous invite, car TV7, vous le savez, fait partie du groupe Sud-Ouest. Et vous avez sur le site de Sud-Ouest des tas d'archives et des photos qui vous montrent l'évolution et l'histoire de cette foire qui berce aussi la vie des Bordelais. C'est beau, hein, la foire, rien. Il y a du bruit, il y a des odeurs, mais c'est un spectacle ici, hein. Bah écoute, ouais, c'est un peu, c'est un événement populaire, mais c'est un peu pour ça que, enfin, ça concerne tout le monde vient à la foire au plaisir. C'est vraiment un événement majeur de la région, hein. Ça concerne un peu tous les Aquitains et même un peu plus loin, ça va un peu en Midi-Pyrénées aussi. Alors c'est une grosse machine et évidemment c'est une machine qui génère de l'argent et ça tombe bien parce que chaque année la foire participe à une œuvre caritative. Cette année, les forains se sont mis d'accord pour aider le festival ODP qui donne de l'argent aux orphelins, les enfants qui ont perdu leurs parents pompiers. Voilà, c'est ça. En fait, ODP, c'est un festival, mais c'est également l'œuvre des pupilles orphelins des pompiers. Bon, je vais pas te décrire le truc, tu l'as bien dit, mais en gros, on fait une opération caritative, on fait des passes manèges qui coûtent 20 euros. Et donc vendredi prochain, 1er mars, avec un pass manège à 20 euros, tu pourras faire tous les manèges que tu veux pendant 4 heures. C'est illimité. Et du coup, on a vraiment un gros succès avec cette opération, puisqu'en octobre dernier, on a récolté 21 000 euros pour Autisme France, ce qui est un peu le record. C'est vraiment une grosse somme. On est super content à chaque fois de faire profiter une association différente à chaque fois. Donc plus de 20 000 euros récoltés l'année dernière. On passe devant, par exemple, cette nouveauté. Là, c'est intéressant. C'est la réalité virtuelle. Ça fait partie des nouvelles attractions cette année. Vous êtes dans un œuf. On vous met évidemment un masque autour des yeux et à vous l'aventure dans des paysages imaginaires avec peut-être, pourquoi pas, des dinosaures. La réalité virtuelle fait partie aujourd'hui. Ces nouvelles technologies font partie de la foire au plaisir. Et il y aura donc ce rendez-vous le 1er mars prochain. Ce vendredi 1er mars, ce fameux petit bracelet, 20 euros le bracelet, et pendant 4 heures, vous pouvez faire toutes les attractions de la foire au profit des orphelins qui ont perdu leurs parents pompiers sur la guerre du feu ou sur des terrains très compliqués. L'actualité est un peu... on est dans l'actualité puisqu'à Paris, je ne sais pas si tu as vu l'histoire avec l'immeuble qui a pris feu... Il y a eu des victimes. Et le festival ODP, c'est les 7, 8 et 9 juin. Ce sera au parc Peixoto à Talence, en présence d'artistes exceptionnels comme The Avener ou encore Eddie de Preto. Merci Xavier. On va aller voir un must. On va aller voir l'une des stars des attractions. C'est le train fantôme. Le train fantôme, il est là. Bonjour Sandrine. Bonsoir. Sandrine, vous êtes l'une des responsables de ce train fantôme. Ce train fantôme de Bordeaux. C'est un des plus vieux, c'est un train fantôme historique qui a été imaginé par votre papa. Oui, c'est ça. Venez, on va sortir là. On est en direct, on va aller se promener devant. Ça fait combien de temps? Ça fait 22 ans qu'il est au quinconce. 22 ans qu'il est au quinconce. Qu'est-ce qu'il y a de magique? Oh là, oh là. Voilà, bonjour. Voilà, merci. Ça fait partie du... Ça fait partie aussi de la foire. On aime avoir peur. Oui, les gens aiment avoir peur. Ils aiment se faire des frayeurs. Ils aiment la frayeur, le trait fantôme, la sensation de peur. Oui, bon, ça va, on a compris. Oh, dans ta chambre. Voilà, j'ai engueulé le clown, il est parti. Alors, ce train fantôme, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des sujets, il y a tout. Plus de choses qui fait peur, quoi. Faites un tour. On va y aller, mais là on peut pas parce qu'on est en direct et il faut qu'on aille voir d'autres gens. Et puis il faut pas trop dévoiler, mais à l'intérieur, est-ce que finalement à chaque fois il faut imaginer comment faire peur, comment créer une sensation? Toujours, il faut toujours améliorer le manège pour que les gens aient de plus en plus peur. Parce que voilà, on passe tous les jours, tous les ans dans les mêmes foires. Alors il faut améliorer le manège, toujours. Là le décor vient d'être refait. Ah, vous avez refait le décor cette année par exemple? Il y a des améliorations sur le manège. Voilà. C'est incroyable parce que finalement, il faut vendre aussi cette mise en scène là. Oui. Permanence. Oui, permanence. Il faut du nouveau pour les gens, de nouveauté. Alors vous êtes femme de forain, fille de forain, petite fille de forain. C'est incroyable quand même comme ce métier-là fait partie de vos gènes. Ah oui, on est né dedans, on mourra dedans. Il faut que ça dure aussi. Il faut que ça dure. Mais c'est intéressant, à l'heure où on voit tant de technologies évoluer, il y a encore... ce métier-là qui est ancestral et qui a toujours existé, et malgré le numérique, malgré
les plateformes de téléchargement ou le cinéma, les gens adorent venir quand même encore se faire peur. Oui. Comment vous l'expliquez ça? Je ne sais pas, c'est l'adrénaline qu'ils ont de venir pour la peur, je ne sais pas. Alors là, s'installer un mois sur Bordeaux, est-ce que pour vous c'est un moment important dans votre année? Ah oui, Bordeaux est une belle ville, Bordeaux il y a du monde, il y a de plus en plus de monde. Bordeaux, on aime Bordeaux. C'est une ville confortable pour travailler? Oui, 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 très bien. Il y a des villes où c'est plus dur? Ah oui, plus ou moins. Ici, Bordeaux, c'est bien. On ne peut pas dire le contraire. On est sur la plus belle place de Bordeaux. Et papa va bien? Mon père, très bien. Il surveille le grain et, oui, et il entretient son petit bébé. Voilà, exactement. Merci Sandrine. On ira se faire peur, vous direz merci à votre copain le clown. Alors venez, on va avancer et on va vous montrer maintenant l'une des vraies grandes nouveautés de cette année 2019. On va avancer jusqu'à l'attraction d'à côté. Déjà, rien que pour vous montrer, le grand bras que vous voyez sur ma gauche, ce grand bras, c'est le booster. C'est une attraction assez incroyable juste au-dessus de moi. Le booster emmène les gens à une hauteur assez incroyable au-dessus de la Garonne et votre corps tourne dans tous les sens. Ce booster, cette énorme machine, ça vaut quasiment 2 millions d'euros, plus d'1 500 000 euros. C'est un investissement incroyable. Eh bien, en voici un dernier investissement incroyable, c'est le Gravity. C'est la nouveauté de cette année 2019 et c'est Lionel Géru qui gère ce beau bébé. Merci de nous accueillir. Alors Lionel, ce beau bébé là, il y a des gens qui sont prêts à y aller. Moi, je suis pas sûr de pouvoir être capable de le faire. 360 degrés, ça tourne dans tous les sens. C'est quoi le principe? Alors c'est un bras qui se lève avec 4 nacelles et en fait ça fait une sensation d'apesanteur, donc si vous voyez. Après je vous laisse voir, ça démarre. Eh ben, allez-y, démarrez, ça va démarrer. Alors pendant qu'on voit les images, alors attention, c'est parti. Refaites-moi votre petite annonce au micro là. Ah, ici. Allez, attention, la fermeture des barrières, c'est parti, on y va. Ah, il y a une manière, il y a une manière à chaque fois. Alors ce qui est incroyable, Lionel, là, pendant qu'on voit les images, c'est que cette attraction, elle est unique en France. Unique en France, c'est ça. Il y en a 3 en Europe, 2 en Amérique et c'est unique en France, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? C'est la technologie utilisée pour cette énorme machine? Exact, c'est ça, oui, c'est ça. Alors c'est tout nouveau, hein, ça sort des usines depuis quelques mois? 6 mois exactement. C'est fabriqué où? En Italie. En Italie, à Mélara, c'est l'usine Technical Park, c'est ça. Alors attention, ça démarre, on va voir ça et vous allez voir, c'est assez impressionnant, ça emmène les gens en apesanteur. Faut quand même avoir le cœur bien accroché, on est d'accord, hein? Exact. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cet investissement? Parce que là, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est une énorme machine. Vous êtes à la tête d'une attraction, il faut que ça marche, quoi. Oui, il faut pas se tromper, oui. On espère que ça va plaire et on fera le bilan à la fin de l'année. Voilà, ça c'est les premières fêtes, en fait, et puis on fait suivre. J'imagine, Lionel, que votre obsession, c'est la sécurité, hein, parce que là, quand même, les personnes qui sont montées dedans se retrouvent comme ça dans des nacelles qui vont être faussement lâchées dans le vide. Exact, oui. Bon, après, le constructeur s'est chargé de la sécurité avec d'énormes sécurités. Ça risque rien. Pour l'instant, ils sont neufs. Il n'y a pas de problème. Il y a des contrôles chaque année. Et il n'y a pas de problème. On pourrait presque faire appel là à des techniques proches de ce que font les ingénieurs pour des engins destinés à l'espace. Ah bien sûr, c'est fait avec des... Il y a des études, ça passe à des commissions de sécurité, il y a les normes TUV, il y a des tas de normes en fait. Là, c'est un peu votre bébé, là, parce que vous êtes quand même tout jeune, vous êtes à la tête d'une énorme machine. Oui, c'est ça, on y fait attention. Voilà. C'est un rêve là, que vous réalisez? Oui, c'est ça, exact. Bon bah c'est parti, hein. Pendant presque un mois, eh bien vous allez pouvoir découvrir Gravity. C'est le dernier bébé ici même à la foire au plaisir de Bordeaux. Très bonne semaine sur TV7 et amusez-vous bien. Bonnes vacances. Salut.